Bonjour à tous, c'est Shiba. Donc, on se retrouve pour la toute dernière partie de ce Let's Play de Donkey Kong Country sur Super NES. Donc, pour changer un petit peu, je vous fais commencer dans la cabane de Cranky, comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que le vieux bonhomme a à nous raconter. Et sans plus attendre, parce que on a des choses à faire. Nous allons défier le terrible King Krull. Souhaite-moi bonne chance, Funky. Cette fois-ci, c'est du lourd. Alors j'annonce ce niveau, qui est le combat final. Le thème, c'est ma musique préférée de ce jeu. Le voilà, le gros croco, avec sa cape rouge et sa couronne. Il a un côté... Il est messed up, mais... Hop là, pas non plus. Il a un côté un peu ridicule. Donc vous pouvez voir au large l'île de Donkey Kong. Boss un petit peu plus élaboré que les autres quand même, heureusement. Il est pas très difficile, normalement. Bon, sur la fin, c'est rapide, hein. Faut un minimum de réflexe, mais... Je devrais m'en sortir. Allez, envoie tes boulets. Coule ton propre navire. Ah ! En pleine tête. J'allais dire s'aborde de toi, mais... Alors... Passe devant, gamin. Comme toujours. Dis, c'est la chair à canon, un petit peu. Non, c'est juste que j'ai moins de mal à contrôler Diddy que Dicky sur lui là. Notamment grâce à son poids léger. Aïe! Il répond quand même mieux, en général. Là par exemple, c'était pas trop ça. Désolé, je viens de me faire agresser par une espèce de... de plume qui est tombée devant mes yeux. J'ai pas bien compris d'où ça venait. C'était bizarre. C'était quoi ce machin? Et là, je la vois pas, elle est tombée. Quand c'est pas les moustiques, c'est les plumes. C'est quand même obscur, comme dirait l'âne. Ah, mais non, il sautait pas. Ça va être moins épique que je le pensais, en fait, sur ce final. J'ai essayé de vous conditionner un petit peu, mais... Kenenye, c'est raté. Ah, ce thème est énormissime. Allez, gros lourdeau. Oh bah. J'y suis allé trop tôt. C'est scandaleux. Honnêtement, là, si j'arrive pas à faire ce que je veux, je vais faire la gueule. Hmm.
Ouh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, il est vénère le coco. J'ai décidé de tracer son petit bonhomme de chemin. Ouh. Ah, c'est peine. Et donc voilà, on se trouve sur un bateau pirate. C'est quand même super sympa, moi j'adore les pirates, alors forcément je trouve ça trop classe comme décor de fin. Ceux qui ont connu Donkey Kong Country Returns, sorti sur Wii l'année dernière, se rappelleront certainement du passage avec les crabes pirates, qui étaient énormissimes, donc je pense que c'est quand même un gros clin d'œil. C'est pas un hasard si on recroise des pirates quoi. Dans le jeu, donc faut savoir que la piraterie c'est quand même le thème principal de Donkey Kong Country 2. Donc c'est assez sympa, assez énormissime. Atadadam. Aha! Espèce de clou du... Non, je vais pas le dire. Quand même pas. Compliment, compliment pour création de Claptrap. Casting, Krusha, Cooler, Critter, Concept. Oh, Concept! Clamp, Commandant King Kerrera. Quoi? La fin? Qu'en est nié, Jar Jar? Qu'en est nié? Là, je fais le fou. Hein. Ouh là là. Oh, je me souvenais pas qu'il jumpait comme ça. Ah oui, c'est après qu'il revient avec des petits bonds et que là, faut rouler. Bon, alors voilà, vous avez vu, hein, la fake fin, c'est quand même assez stylé. Moi, je trouve ça super cool. La première fois, j'y ai vraiment cru, et puis, pareil, j'avais un petit peu du mal. Et... J'avais perdu quelques vies contre lui, donc... Je me disais, ah, ça y est, je l'ai tué, et puis... En fait, non. Pas du tout. C'était pas fini. Bon, c'est quand même le roi des Kremlings, hein. Alors, ce qui est bizarre, c'est que lui, on lui saute sur la tête. Il rigole pas. Krusha, lui, qui n'est qu'un sbire, il se fout de notre gueule. J'imagine que tous les Kremlings n'ont pas la même densité d'écailles selon le rang, la caste, le prestige. Je n'en sais rien. Hop là. Aiguë. Je suis désolé, j'ai la voix un petit peu en vrac. Hop là. J'ai décidé de tourner cet épisode ce soir après avoir publié la 9e vidéo parce que... Enfin, la 9e partie, qui est la 10e vidéo. Celle-ci étant la 11e vidéo, mais la 10e partie. Wap, là. Pour... voilà. Oh. Et donc, parce que demain... Voilà, vous voyez, là, il y a pareil. On parfait le coup du... Hop, comme ça. Oh, quel chieur. Quel emmerdeur. Donc oui, demain, je suis pas là, donc c'est pour ça que je voulais... Voilà. Hé hé. Je tenais absolument à finir le jeu ce soir. De manière à vous publier ça demain avant de partir. Waouh, Cranky qui nous félicite, c'est pas courant. Donc je vais vous laisser apprécier la fin tranquillement parce qu'elle est vachement sympa. J'espère que vous avez apprécié le petit générique d'introduction. Donc un grand merci à Lennart Hulsing qui a généreusement accepté de me laisser utiliser ses musiques
dans le cadre de mes vidéos. C'est super chouette de sa part. Donc je vous invite à aller sur sa chaîne, à écouter un petit peu ses covers, ils sont juste fantastiques. Mais pour l'heure, je vais vous laisser apprécier ce petit générique qui nous présente tous les méchants du jeu. Et j'adore ça. Je suis fan de ce type de générique de fin, où on revoit le bestiaire. Le collabo! Ah, très très bon sang! Croctopus le malin. Je vous avais bien dit, hein, Chomps Junior. Et Chomps. Ah oui, du coup, le bestiaire dans Mario, c'est juste Chomp. Et oui, la palourde s'appelle Clumbo. Et lui s'appelle Squedge. Alors, vous avez dû voir, je m'étais planté. Hein. C'était Cité des Clams, c'était la Cité des Poissons. Ça s'appelait comme ça. Il manque une couleur de Kremlins. On avait vu des critters jaunes, et là, ils y sont pas. Clump, Crash. Les frères Croucha. Norbert. La pute. Ah, ça c'est Baguette. Master de Kiss Senior. Et King Cruel. Je l'ai bien défoncé quand même, King Crow. Ah, nos compagnons. Robbie Expresso. Vanguard. Winky. Et Squawks. Voilà, Cranky c'est vraiment un vieux troll. Toujours qu'il la ramène, qu'il fasse l'intéressance. J'adore ce personnage, il est excellentissime. Et sur 64, il a un petit côté savant fou qui vient s'ajouter à son caractère déjà bien connu. Et c'est juste trop fandard. Alors désolé, hein, je dis plus grand chose là. Bon, je vous laissais savourer ce petit moment tranquillement. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce let's play. Pour moi, donc comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'était ma première expérience. Donc je pense qu'il y a eu des hauts et des bas dans chaque vidéo, j'imagine un petit peu. Mais globalement, je pense que le bilan est plutôt positif. Je suis bien marré. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette petite vidéo et à parler tout seul devant mon micro. Qu'est-ce qu'on pourrait... De quoi est-ce que je voulais vous parler déjà? Ah oui, bien sûr. Pardonnez ce petit moment d'égarement. Donc, pour l'avenir, hein, c'est simple, hein. On va enchaîner avec un let's play de Donkey Kong Country 2. Donc qui recommencera là où le premier vient de se terminer, plus ou moins. Donc j'espère que vous apprécierez ce nouveau let's play autant que celui-ci. Concernant les 101%, j'essaierai peut-être de compléter un peu au fur et à mesure. De temps en temps, je ferai une petite vidéo, je chargerai cette partie et puis
On se retrouvera comme ça, on causera un petit peu de tout et de rien, et on essaiera de débusquer les derniers bonus qui me manqueront encore. On va aller sauvegarder de toute façon, une fois que l'écran titre aura fini de défiler. Voilà. Et on se dira à bientôt. Je ne crois pas avoir laissé la cinématique d'intro dans mon premier let's play. Bon, au pire, je vous la laisse, comme ça vous pourrez comparer. Hein. Avec le cover de Lennart Helsing, qui est en début de vidéo. Ah, on n'y est pas encore, hein. Loin de là. Il y a encore un petit bout de chemin à parcourir. Et donc on se retrouve ici, sur la carte. Tu es de la carte. Pardon. Alors, est-ce qu'il y a un niveau que j'ai envie de refaire rapidement avant de vous laisser, pour le plaisir? Oh, donc une petite chose à vérifier rapidement. Parce que j'ai moi-même un petit doute. Donc j'aimerais bien m'en assurer. Jingle Jaja. Yo-ho-ho. Ah, ça c'est bonnard. Ça c'est bonnard. Oui, c'est bonnard. Haha, je suis redevenu le roi de la jungle. Ça aussi, c'est bon. Vas-y, passe devant, gamin. Nous, on va aller faire le ramdam. Ah 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 ah. C'est ce qu'on appelle une run. Ah, le délire. Voilà, donc... Oh, terminus, tout le monde descend. Tiens, j'avais vu quelque chose. Non, Dickey non plus ne peut pas atteindre les ballons dans la fin. Je me demandais, en fait, si leur collision était différente à ce point, mais... Par contre, avec le Rhino, ouais, on récupère tout dans les coups, c'est ça. Je m'en souviens, maintenant. Oh bon, je vous ai remontré encore une fois le premier niveau, vous l'avez déjà vu et revu. Mais bon. C'était histoire de montrer la réserve de bananes. Voilà. Hop. Je réfléchis brièvement. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je peux refaire le boss final, comme tous les autres boss d'ailleurs, mais il y a la tête à Dickey dessus, donc ça a été pris en compte. Normalement, c'est sauvegardé automatiquement. Dans le doute, je vais quand même aller faire une petite save chez Candy. Et on en restera ici. Oh! Never miss a kiss! Bordel de Dieu! Pardon. Ah là 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 là. Et bien voilà, c'est tout. Je vous dis bye bye, à la prochaine. On se retrouve pour le let's play de Donkey Kong Country 2.